maritime traverse la Suisse en ce moment. Des vents violents et des précipitations abondantes ont causé des dégâts principalement en Suisse romande. La Suisse alémanique a été plutôt épargnée, Christine Mattet. Oui, 70 vols ont tout de même été annulés ou retardés à l'aéroport de Zurich aujourd'hui, mais Bâle-Campagne a été la seule région alémanique gravement touchée ce matin par la tempête Joachim. Le haut du canton et le Lonfonnet sont particulièrement concernés. Des arbres et des lignes électriques ont été arrachés, des toitures se sont envolées. Pour l'instant, aucun blessé n'a été signalé. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le grand froid est arrivé. Moins 26 dans la vallée de Conches et ça n'est qu'un début. Une ambiance polaire enveloppe la Suisse. Déjà, les effets se font sentir, notamment de nombreux accidents routiers. Nous verrons les conseils de prévention et le branle-bas de combat, notamment au CFF. 360 agents sont déployés pour entretenir les voies et les aiguillages. Partout, on s'organise pour tenter d'éviter les pannes dues aux températures extrêmes. Le snow kite. Le quoi? On tient une corde, puis on se fait tirer par un bateau, puis on met en snow. Ah ouais, on vole là, puis on va avec des skis. Le snow kite. Est-ce que c'est du snowboard avec un parapente ou quelque chose comme ça? Snow kite. Sur l'eau. Ouais. Et vous, est-ce que ça vous attire? Non, beaucoup trop d'attire. J'ai commencé le kite d'abord sur l'eau, après j'en ai fait quelques années, j'ai eu un gros accident, j'en ai pas refait pendant quelques années, puis du coup quand j'ai repris sur l'eau, l'hiver arrivant on s'est dit qu'on pouvait peut-être aussi en faire sur la neige, puis ben, c'est comme ça que je suis parti dans le snow kite quoi. On peut faire plein de choses, on peut faire juste de la balade, donc se déplacer sur des terrains plats, des collines, etc. On peut aller un peu plus déjà en haute montagne, faire vraiment monter des pentes assez raides, faire presque des randonnées s'il y a des vallées où le vent il rentre bien. We'll be right back.
Sinon, il y a tout le côté freestyle. Bon, moi, je suis un peu moins téméraire là-dedans, donc je fais un peu moins de freestyle, mais il y a tout le côté figure où on peut faire des sauts très hauts. Quelques personnes qui font aussi, qui montent des pentes raides et après qui redescendent en vol de pente. Mais ça, c'est déjà plus spécial et plus risqué. Beaucoup des voyages qu'on essaye de faire en snowkite, c'est vraiment des voyages découvertes où on va essayer de vraiment pratiquer le snowkite, mais dans un pays qu'on ne connaît pas, dans une culture différente, et c'est justement là tout le challenge de partir voyager. C'est que c'est beaucoup de kilomètres, beaucoup de recherches de endroits, il faut regarder des cartes, et c'est vraiment pas évident de partir voyager en snowkite. Donc après, on a loué un minibus et on a essayé tant bien que mal de trouver certains endroits tant enneigés avec du vent et où on a le droit, parce qu'il y a aussi certains monts qui sont interdits. Donc on ne peut pas aller partout et on n'a pas eu énormément de neige comme espéré, parce que malheureusement la neige était beaucoup plus au nord et nous on était un peu plus au sud. C'était un voyage vraiment inoubliable et on aimerait bien y retourner un jour. Amsterdam, on est prêt à embarquer dans l'avion pour Tokyo. Arrive à Tokyo après 14 heures de voyage et 9 heures de décalage, on va prendre un train pour aller à Sugadaira, à la station de ski où on va aller faire du snowkite. Ça fait 24 heures qu'on est parti de la maison actuellement. On se retrouve dans une petite bourgade là. On comprend pas grand chose. On vient d'arriver à Ueba, dans la préfecture de Nagano, et en fait on est un peu paumé. Mais ça va être technique à trouver, je pense. Alors on est arrivé à Sugadaira. On est en train de regarder où il y a un hôtel. En gros, on est descendu du bus avec tous les bagages. Et puis, on n'a pas d'hôtel. Dans le périmètre où on est, apparemment, il n'y a pas trop d'hôtels.
On a trouvé des japonaises, elles sont très sympathiques parce qu'il y en a un qui est descendu avec nous pour essayer de nous dépatouiller de... C'était le chauffeur du bus. Pour nous trouver un hôtel, donc on va voir, bon, on claque un peu de la dent parce que ça meule quand même un minimum. C'est sûr que demain, il va pas y avoir de la neige molle qui a fondu cette nuit, hein, ça c'est sûr. Sugadaira Hotel. Yeah. Opa. On est descendu d'Akuba pour visiter Tokyo pendant 2 jours. Il y avait la copine de Léa qui nous a organisé deux super suites, Manhattan et puis la Japanese suite où on avait la vue sur tout Tokyo, donc c'était vraiment de la bombe. Degrés un peu Cherokee, là on est dans une salle japonaise. On est venu faire un petit coup de bloc parce qu'on est à Tokyo. Les murs sont un peu différents de chez nous, c'est un petit peu le bordel, mais c'est vraiment chouette ici. On grimpe avec tous les locaux et ça va être sympa. Thank you.
c'est un sport où, voilà, effectivement, c'est individuel, mais au final, tu bouges tout le temps avec tes potes. Et c'est un sport de partage. Tu peux pas juste aller tout seul. L'intérêt, il est assez limité si tu vas juste sur ton spot tout seul. L'idée, c'est que tu vas, tu es avec tes potes, tu passes une bonne journée, après, tu rentres chez toi, tu es super content. Ouais, définitivement un sport qui se pratique à plusieurs. It's been a long, long time since I've memorized your face. It's been 4 hours now since I've wandered through your place. And when I sleep on your couch, I feel very safe. And when you bring the blankets, I cover up my face. I do. Quelqu'un qui sait mettre l'ambiance. Il est 6h30 du matin. Je suis au sommet du Chasseral. Je fais une petite nuit time-lapse, mais comme souvent en time-lapse, il y a des imprévus. Puis là, il y a eu de nouveau une belle remontée d'humidité. Donc là il fait beau brouillard et tous les appareils ont gelé pendant la nuit. Mais le début est vraiment très très chouette. On verra qu'est-ce que ça donne. Ouais, l'hiver dernier, alors je pense sans hésiter, ma plus belle session c'était vraiment le Grimsel. On est monté avec toute l'équipe 4 jours au Grimsel, tout au fond du Valais. Monté en motoneige, arrivé sur le spot magique avec du soleil et du vent. Et puis ouais, on a fait 4 jours de ride là-bas, c'était vraiment ouais, la plus belle session. Puis il y a de la neige ou bien ? Moi aussi j'ai pris des petits cochons de cabane. Tu peux te rendre compte avec la voiture là. Et le 2 mètres de neige qu'il y a juste dessus. Donc ça risque de bien aller là. Bah là on est en plein milieu du Grimsel Pass là, dans un petit chignette. Avec des beaux tapis et tout. Ça fait un peu russe la petite promenade quand même. Hein. Bah ouais. Attends. Il faut mettre la tchapka. Comme ça, ça fait les vraies promenades de Bourges. We'll be right back.
Ah, tu t'es fait peur? Non, ça va. La poudre, ça détruit. On va voir les jambes, hein. Ok, l'histoire du Québec, elle est assez drôle. J'ai été contacté il y a 2 ans par une petite société du Nord-Québec qui s'appelle Escapade Boréale. Ils m'ont dit, ouais, on organise un trip, ça s'appelle la route des vents, on traverse un lac gelé avec des kites. Je dois dire que la première fois, ça m'a branché moyen. Et puis après, il y a le projet Another Way qui s'est monté. Puis là, je me suis dit, ça serait quand même sympa de montrer une autre vision du kite. Pas la vision européenne où c'est vrai que nous, on a tendance à profiter, à grimper dans les montagnes. Eux, au Québec, c'est tout plat. On est parti de la ville de Montréal à bord d'un Pilatus en direction du Nord-Québec avec comme première étape la ville de Chibougamau. Pas le temps de visiter qu'on prend déjà un bus avec pour étape suivante la ville de Mistissini, une réserve indienne Cree. Ce sera notre point de départ pour rejoindre le lac Mistassini, début de l'aventure La Route des Vents. Ouais, voilà, ça commence bien. On dit quoi? Quoi? On dit quoi? On dit quoi en cri? Cri. Mais qu'est-ce qu'on dit? On dit quoi? Quoi, ça veut dire bonjour. D'accord. Bonjour en cri. C'est le seul mot que je sais. L'expédition, mon gars. Ouais. Et on voyage comment là, léger? Ah là, c'est super light là. Là, on est light expédition. Bah, c'est un peu à l'américaine comme chez toi, non? Ouais, j'ai jamais vu un truc pareil, moi. Et date de quelle époque tes skis là? Vintage 80. Vintage 80, ouais, c'est ça. Ouais. C'est Fischer. Je crois que. Et les bottes pour matcher. Oh, 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 les Salomon, non? Ouais, Salomon hein. Équipe, ouais. Ouais, bien sûr. Ouais. Et la fixation qui va avec. Et la sortie. Ouais. C'est concept. Là, on est
au bord du lac Mistassini, si je me trompe pas. C'est pas exactement facile à dire. Et on s'apprête à essayer de parcourir le plus de kilomètres en une semaine. On voyage léger, mais quand même un peu orienté à l'américaine. Donc léger, c'est à peu près 3 tonnes par personne. Tu vois, pour ce matin, on a déjà consommé 4 mètres cubes de fuel. Mais on est très économe. C'est parti pour une semaine de trip sur le lac Gelé. Premier objectif, rejoindre le camp de base. Pour cette première journée, un vent très faible ne nous permettra pas de le rejoindre en kite. L'entier de la troupe s'y rend tracté par des motoneiges et autres engins tout droit sortis du film Mad Max. Dans un tonneau transformé en sauna, tracté par des motoneiges. Hallucinant. Nous voici arrivés au camp Osprey, qui est normalement un camp d'été que l'on rejoint par hydravion ou bateau. C'est rustique, ancré au cœur de la nature, et surtout un gros avantage, aucun réseau pour nos téléphones portables. Le premier soir, un petit vent se lève juste devant le camp. Une première magnifique session de kite au soleil couchant, et en plus il vient de neiger. Bon, il y a la chasse au castor. Ouais. Ben, je sais pas le pourcentage, mais il y a un gros pourcentage de castors qui meurent de mort naturelle parce que en grugeant leurs arbres, ils font le tour comme ça, puis ils grugent, puis ils grugent, puis ils grugent. Vous savez, quand ils arrivent au bout, l'arbre finit par leur tomber sur la tête. Ils sont assez intelligents pour faire des gros barrages, mais pas assez pour savoir de quel côté les arbres tombent. La leçon du jour, c'est que quand tu vois un tas de branchages par terre, il vaut mieux passer à côté, parce qu'on sait jamais ce qu'il y a dessous. Après la trappe au castor, les cris nous emmènent poser un filet, ou net en québécois, sous la glace. Sur le chemin, on a beau y réfléchir, impossible de savoir comment ils vont faire ça. Finalement, l'astuce, c'est la planche rouge. Mais on vous dévoilera pas tous leurs secrets. We'll be right back.
avec les CRI, nos guides CRI qui, heureusement, ils ont installé un net avant-hier. Et le net, c'est une traditionnelle méthode CRI. Et finalement, moi, je croyais avoir un ou deux poissons. Puis là, on voit que, regarde, il en sort un après l'autre, après l'autre. C'est incroyable. La nature, tu vois que les CRI, ils l'ont. Hein? Regarde ses mains, là. Moi, jamais qu'il irait dans l'eau plus qu'une seconde. Hein? Monsieur, il travaille fort, mais waouh, incroyable. Quelle aventure. On s'en va tirer un grand tac jusqu'à Gros Rocher. Tu peux traduire en crié par Mistassini ou alors en anglais Big Rock. Ah, mais hey, j'écoute les briefings moi. Donc normalement, nord-nord-ouest, Big Rock par ici. C'est parti mon Kiki. Ah, ouais, c'est parti mon Kiki, c'est vrai quand même. La semaine se déroule comme ça. Toute la troupe se met en route le matin, et tractée par nos kites, on découvre d'abord les alentours du camp, puis de jour en jour, les distances s'allongent en fonction de l'expérience du groupe. Le plus gros danger, finalement, c'est de se perdre dans cette immensité blanche. C'est combien de kilomètres aujourd'hui? Pas mal là, mais j'en avais déjà 30 avant le départ. Là, je suis rendu à 47. 47? C'est-à-dire, on a fait 17. J'ai traversé le lac. L'objectif ultime en fin de semaine, c'est d'aller taper la tête du lac. En gros, c'est de faire un aller-retour depuis le camp de base jusqu'au bout du lac et retour. Le tout tracté par un kite. Un bon 140 km en deux bords. Mais c'est toujours bon, de toute façon. Regarde, on est là, tous là, qu'est-ce que tu veux de mieux? Ça ressemble un peu à une partie de paradis, ça. Une partie de pêche entre amis. Une pêche au bonheur. Ben, j'en ai attrapé un peu, on va essayer de la partager. C'est contagieux, ce jeu. Pas dit qu'il n'y avait pas de douche. Finalement, on a trouvé une autre solution.
roches, pas facile. C'est vraiment pas facile. Les cuisses, c'est test extrême. Moi, je sentais plus mes pieds, lui, il sentait plus ses mains. C'est un combo. Je me sens plus du tout nulle part maintenant. C'est, On est prêts pour se faire bercer. Ouais. Donne-moi le téton. Les Européens du trip, on a tous pris une bonne claque. Le slow kite au Québec, ou tout du moins la route des vents, c'est avant tout une histoire d'amitié et de partage. Si un jour, vous voulez faire un trip qui vous sorte de votre quotidien, et qui vous fera reconnecter à la nature, aux relations humaines et accessoirement au kite dans les grands espaces, n'hésitez pas. La prochaine route des vents est en route. Ce spot en Norvège, magnifique quoi. Des belles étendues comme ça, à perte de vue, des petits vallons, des petites combes à droite à gauche, des villes, des chalets là. Des petits chalets, ouais, c'était sympa. Ouais, hein, c'est ça le chalet toi, hein. Ouais, le chalet là, c'est vrai que c'était sympa de pouvoir sauter par-dessus. Hein. C'est ouais. Quand même un beau pays cette Norvège là pour le snowkite, hein, on se marre bien. Hein. Vraiment, c'est plus où aller quoi. Le kite en 2006, j'ai commencé sur l'eau, tout de suite après ça je suis allé sur la neige, j'ai découvert le snowkite et puis j'ai vraiment progressé et pris goût à ce sport.
snowkite, c'est l'esprit de pouvoir remonter les pentes, d'affronter un autre élément, quoi, d'aller chercher à déniveler ce qu'on retrouve pas sur l'eau. Quoi. Gagner plus d'argent, c'est pas ce qui est important finalement. Non, l'important c'est de gagner de l'argent pour pouvoir vivre toute l'année aisément quand même. Et puis non, après ce qui est important c'est de pouvoir, pour moi c'est vraiment d'aller le kite là. Chaque temps libre, je pense qu'au kite, donc après essayer de trouver toujours une opportunité pour aller courir à droite, à gauche, chercher le vent, trouver un bon spot pour rider. Puis faire le dilemme avec la copine aussi. To record it for you, show you what I'm talking about. You know I had to make this song right here. You know I had to make you girl. Why complain about the cold when we got the most beautiful ladies from all over the globe? This song is dedicated to all of y'all. Whether you were black or white, short or tall, brunette or blonde, slim or thick, stressed or calm. But I'm not talking about those with a bad attitude wearing hoochie clothes. Don't know how to talk, act like a man and spit when they walk. I'm talking about the classic types with a proper outfit when the smile is like God sent down announcements for all men to behave. Funny see 10 men get straight right away. Our ladies, all it takes to get some order up in the place. When the sky's dim, she put a smile on your face. I've been all around the world and seen a lot of faces, but there is no place like Sweden and Swedish ladies. I got nothing but love for you. I've been all around the world and seen a lot of faces, but there is no place like Sweden and Swedish ladies. I got nothing but love for you. Nothing is better than summertime. Chill downtown with some friends of mine, drinking soda, admiring all the ladies at the bus stop right in front of us, waiting, giggling, playing with the hair. And with no day away, that was there. It's kinda cute though, with the innocent look when they know we're checking out the culo. Sweet top, tight jeans, high heels and a matching bag. Je m'appelle Laurent Sublet, je viens d'Annecy en France, dans les Alpes du Nord. Et puis donc moi je fais du snowkite depuis maintenant presque 10 ans. J'ai commencé la compétition il y a 4-5 ans, ça fait 4 fois que je gagne le championnat de France en ski freestyle. Je passe un peu par les différentes facettes, je fais un petit peu de race et puis maintenant je me concentre vraiment sur le freestyle, c'est la chose que je préfère faire en snowkite. Non, le snowkite ça reste un petit milieu où c'est encore assez convivial et puis on fait pas ça ni pour l'argent ni pour le succès, on fait ça juste pour s'amuser entre copains et puis ça fait l'occasion de se rencontrer et puis de partager des choses, voir un petit peu comment les gens y progressent. What the names be? Lisa, Maria, Stephanie, pose for my camp. C'est une grosse prise de risque pour finalement à la fin gagner d'argent. Une prise de risque, mais après c'est comme dans tous les sports, hein. Je pense pas qu'on dise que les gens qui sont dans les Formule 1 à 300 km/h sans airbag, ils prennent des risques aussi, nous c'est pareil. C'est une vision du sport où bah, quand on a un peu cet esprit-là, on fait avec, on adapte notre pratique et puis on se prépare tout l'été physiquement et techniquement pour minimiser au minimum ces risques-là. But there is no place like Sweden and Swedish ladies. I got nothing but love for you. That's right, y'all. That's right. To all your fellas, next time you step outside, just take a look around, then you understand what I'm talking about. Hey girls. Yeah, un petit favori pour le vent assez soutenu et puis utiliser les petites voiles et les faire tourner dans le ciel, ça c'est... C'est bien ce que j'aime, faire des bons gros kite loops sur la neige, c'est quelque chose où il y a une petite prise de risque qui fait que ça fait monter l'adrénaline et c'est vraiment ce que je préfère. We'll be right back.
On est bien gâtés là tous les soirs, on a des petits plats différents d'un peu partout. Ce soir c'était asiatique. C'est bon, tabarnak. Ça manque pas de caribou quoi. Ah, un petit peu de caribou, je coûterais bien le renne. Tu me disais qu'il y avait du renne. Parce qu'on n'est pas là pour se faire brouter le cul par des lapins de garenne. On a eu un petit peu de vent ce soir et puis ça a neigé 10 cm, il faisait grand beau temps en fin de journée. Juste de quoi nous donner envie de revenir l'année prochaine quoi. Oui, je pense que c'est reconnu quand même parce que c'est toujours quelque chose qu'on entend parler un peu partout. Ça passe dans les magazines, il y a des nouvelles qui sortent, il y a toujours un petit suivi là-dessus. Et puis c'est assez international, on retrouve quand même du bon niveau. Oui, j'étais content de participer à cet événement. Donc il y a eu le championnat de France snowkite freestyle, puis le championnat du monde de freestyle avec la race aussi. Moi, au championnat de France, j'ai réussi à me classer 4e grâce au second élimination. Puis j'ai scoré un peu plus à la race, là, ce qui me correspond un peu plus sûrement dans mon style de ride. J'ai réussi à finir 2e. Mais c'était vraiment un bel événement, on fait plein de belles rencontres et je pense bien essayer de retourner participer à ça. Bah écoute, franchement le niveau il est encore monté d'un cran, c'est super. Le seul constat qu'on peut se faire c'est qu'effectivement on a des grosses bosses, on a tout, mais il y a quand même eu 3 genoux qui se sont faits aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il y a des risques, il y a vraiment du prise de risque de la part des riders. Il est vraiment extraordinaire quoi, ça y est, enfin ils ont une bosse, on a une bosse à la hauteur de l'événement et du coup c'est vraiment extra, on peut envoyer les tricks,
voilà, on a plus honte de faire du freestyle en snowkite par rapport aux skieurs qui font des sauts sans voile et qui vont beaucoup plus loin, beaucoup plus haut. Some thick hips, caught her before she hopped up in the whip. I asked her if we can exchange names. She started laughing at me. Turns out that we wanted the same things. I didn't read between the lines at the time. Months go by, we creeping in and out each other cribs on weekends. I'm at her house rolling up a kush blunt chiefin'. She in the kitchen cooking up a storm, we eatin'. Passionate kisses turning sex in an instant. After we was done getting dressed, she said, listen, I can never, never, ever, ever fall in love with you. My heart's too complicated to even try to fall for you. I understand truly, but I didn't know later down the road that she be switching up the plan on me. I want the way she wants to stay. How could you do me? How could you use me? How could you treat me that way? She wants to wait. I ran away. How could you do me? How could you use me? How could you treat me that way? She wants to amount of time together, and she still can't get enough of me. She said she wanna have my baby, pull off on my Mercedes, pull out the MasterCard so she could buy some things. Me, my family, give her some diamond rings. Clever, but I can never ever fall to a woman's greed. That's just not what's in me. You're getting reckless. I think that you should leave, she said, but I have too much time invested. That's how shit goes. You give these bitches hard dick and bubble gum, and then you let them hoes go. It gets complicated. They wanna come back and talk, call and conversate. Then you know I after that, it's stalking, bitch, stop complaining. Told her I'm going for the weekend. She says, you're not listening to my feelings. I said, fake hair, fake tits, but got the nerve to want a real man. She says, so nigga, what you saying? I want the way she wants to stay. How could you do me? How could you use me? How could you treat me that way? She wants to wait. I
day.